Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 4 de Deep Raved et on va du coup continuer à développer notre village. Donc là, ça se passe plutôt bien. Il y a juste comment dire, je dirais en viande que j'ai un peu peur. J'ai acheté pas mal de bois du coup là. À voir si ça va être assez suffisant ou pas. Ah! Je me fais attaquer par un loup. En espérant que j'arrive à temps pour le buter. Donc là, quand il y a des petits bonhommes comme ça, c'est que c'est la merde. On va sélectionner notre copain. On va lui dire d'aller là-dedans. Le chasseur, du coup. C'est bon pour le moment. Ça se passe bien, on a tout déforesté. Enfin presque tout. Donc du coup ça va bientôt être la merde au niveau du bois. Le pâturage, donc ça se passe bien. Le boucher lui s'occupe du coup de faire ça. Regardons les bâtiments de production. Donc pour l'instant... Ok, il ne nous reste plus qu'un seul de blé. Là, c'est à 5 sur 5. Porc amical. Et le boucher, est-ce qu'il du coup, il y va? C'est ça la question. Pourquoi il... Ah yes, des nouveaux bâtiments étaient disponibles. Donc on a débloqué la maison simple pour du coup les nouveaux colons. Hein, on a débloqué la boulangerie, le moulin, donc il va nous falloir pas mal de planches de bois. Le moulin, tiens, on va le péter où? Allez, on essaye comme ça le maximum. On va le péter par ici, tiens, le moulin. J'ai pas encore débloqué... Ah non, la ferme d'élevage, c'est quand j'aurai plus de colons. J'ai débloqué la nouvelle église. Que je vais pouvoir péter je ne sais pas où. Bah tiens. Éventuellement, je la pète là. Ou est-ce que je peux pas la péter genre ici? Non, je suis trop près de l'eau. Trop près de l'eau. Je l'aurais bien excentré un peu du village. Mais là, il y a la mine juste ici. Je sais pas trop où la péter. Bah tiens, on va peut-être la mettre là. Allez, on va la mettre comme ceci. On va mettre la nouvelle église ici, comme ça ils vont s'occuper de ça. Le moulin, comme ça on va s'occuper d'avoir d'autres trucs. Et il va nous falloir une nouvelle ferme céréalière qu'on va péter. Allez. Pourquoi je peux pas? Ah, peut-être que je suis trop proche de la ferme. Ah, il y avait l'arbre qui m'emmerdait en fait. On va la péter là, de toute façon c'est excellent. Toc. Ouais, ça se verra pas trop la différence. Nickel, donc au boulot les gars. On va continuer à s'installer. Les nouvelles maisons, c'est ok. On va laisser fabriquer les églises et il va falloir qu'on pense à accueillir les maisons simples qui me permettent d'accueillir 3 habitants. Par où je vais les accueillir? Pof. On va en accueillir déjà comme ceci par là.
Ok, comme ceci, ça va être très bien. Attention. Yes. Le Pistoleros a arrêté le criminel, du coup il nous a pas volé. Ok. Ok, c'est notre espèce ça. Par contre, faudrait que les gars ils s'occupent de ramasser leurs chevaux. Autrement, ils vont crever. Mais bon. Déjà, il y a pas mal de taf à faire. Le moulin, il est en cours de construction. Donc, c'est bon, il est construit. Donc, on va voir. Maintenant, on va commencer à stocker un peu de farine. Grâce à la farine, on va pouvoir commencer à fabriquer la boulangerie qu'on va placer dans le coin. Ou attendez. Est-ce que je pourrais pas péter la boulangerie par ici, tiens? Bah tiens, nickel. On va mettre la boulangerie ici, elle sera pas trop loin. Et en plus, elle est à côté du boucher, ça fera le quartier, quartier des artisans ici. Ah, j'ai engagé un deuxième pistoleros? Ah non, il y en a peut-être un deuxième qui est arrivé en ville. Et j'ai pas fait gaffe. Bah tant mieux. Tant mieux si c'est le cas. Là, ils ont pas mal de taf à faire. Donc du coup, pour le moment, ça va être très bien. Et on n'a plus de pièces métalliques. Donc on va devoir en acheter. Ouh là 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 là. Non, 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 c'est pas ça. Je vais en acheter une trentaine. Et regardez le prix des planches là. Elles sont pas très chères. Je vais en acheter une dizaine. De toute façon, j'ai quand même encore pas mal de bois. Donc non, on va pas en acheter pour le moment. Ça sert à rien. Le fendeur de bois, je vais lui dire d'arrêter pour le moment de fabriquer. Parce qu'on a 86 bois de chauffe. Donc ça va être très bien. En plus, on est bientôt en hiver. Enfin, on est au printemps. Donc c'est bon, on va pas trop chauffer pour le moment. Et dommage que je peux pas affecter des gars genre au transport de ressources. Donc là, la nouvelle église, c'est ok. Donc on va pouvoir démolir celle-ci, du coup. Jetson Grant. Donc là, la charrette, elle arrive. Là, on a démoli ces maisons-là. Du coup, c'est bon. Ils sont en train de fabriquer les maisons simples. Je vais prioriser la boulangerie et la ferme céréalière. Parce que les maisons simples, certes, elles ont quand même un peu plus de gueule. Elles ont un peu plus de gueule quand même. Mais c'est pas la priorité. Et lui, le tailleur de pierre. 9, 13, 35. Ok. On va lui dire pour l'instant d'arrêter. On verra bien si ça repousse ou pas. Le chasseur, il s'est occupé de tout ça. Et il reste 6 viandes sur le bison. Et il y a des bandits qui se sont installés aussi en dessous. Va falloir qu'on fasse gaffe. Va vraiment falloir qu'on s'arme rapidement. Pourquoi il les stoppe pas? Ah putain. Je me fais attaquer par un loup. Vivement faut. Et voilà, merde, j'ai perdu un citoyen. Ok. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Le chasseur. Ah tiens. Ça va être nickel. Lui, il va le blesser. Il va aller chez le médecin. Acheter une charrette de transport. Donc pour l'instant ça va pas être utile. On va les laisser faire. Donc le cimetière va être rempli encore une fois de plus. Ah, j'arrivais pas à cliquer sur la ferme céréalière. Donc là c'est bon, elle va être construite. Là il manque un peu de pierre.
Heureusement, le tailleur de pierre s'en occupe. Ok, donc j'ai combien de bâtiments de production? J'ai 1, 2. Là, il faut personne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en bas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 en gros emplois disponibles pour les gars vraiment à plein temps. Et le reste, c'est que. Donc j'ai deux maisons de fête pour le moment. La boulangerie qui va être en cours de fabrication. Il va me falloir du coup la distillerie qui va me permettre de produire de. Ah tiens, éventuellement je pourrais la placer en plein centre par ici. Ou est-ce que je l'excentrie un peu du village. Enfin, je la mets un peu excentrée du village. Ah tiens, ici ça pourrait être pas mal. On va la péter ici. On va lui mettre une petite priorité un peu plus haute. Et on va mettre une maison simple de ce côté-là. Peut-être pas. Voilà, on va en mettre une par ici. Comme ça va être très bien. Il a volé des pièces métalliques, le salaud. Va vraiment falloir qu'on s'occupe de ça. Et qu'on s'occupe de buter ceux qui m'emmerdent. Ok, donc on va les laisser finir de taffer. L'air est rempli. La boulangerie, du coup, elle est presque terminée. La ferme, elle est terminée. Du coup, on va avoir une nouvelle production de ferme. Donc ça va être cool. En bouffe, on est bien. J'ai dû perdre un pistoleros en fait. Falloir que je fasse gaffe, hein. On va la mettre ici, sa zone de travail à lui. Comme ça, il va s'occuper de surveiller là. Parce qu'à chaque fois, je me fais voler au niveau de l'entrepôt. Et c'est pas bien. Position offensive, c'est très bien. Du coup, là, les gars, ils taffent. La boulangerie, elle est ok. La distillerie, elle est en train de se fabriquer. En plus, on a la pierre qui est juste à côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Toc, le reste c'est bien, on va rester sur ça. Ça se développe vraiment plutôt pas mal. Une fois que la distillerie sera faite, il va falloir qu'on fabrique du coup un salon. Enfin, c'est pas prioritaire, mais bon. Éventuellement, je pourrais le placer comme ceci. Genre là. Le saloon. Pof. On va placer le saloon là, mais ce sera pas prioritaire, hein. Donc la distillerie, elle va être fabriquée. Du coup, on va avoir bientôt tous les besoins des colons. Ça va être bien. On va prioriser aussi ici. Et on va pouvoir bientôt avoir accueillir des nouveaux colons. Et là, on ne peut pas pour le moment. Ok, c'est pas grave. On va laisser le bâtiment là. On aura une maison simple qui sera posée ici. Et la ville qui commence à avoir un peu plus de gueule, hein. Hop, là, il pourra sortir par là. Ce sera très bien. La distillerie, il manque une pierre. Donc là, le mec, il a largement ce qu'il faut. Toc, regardez le petit chemin qui se fait.
Vas-y. Terminez-moi ça. Le moulin, il tourne à plein régime, donc c'est bon. Là, les deux fermes, là, j'ai bien fait de le faire, je pense. J'ai bien fait de le faire, je pense. Il me faudra même un deuxième entrepôt. Je sais pas vers où je vais le créer. Je vais peut-être en créer un vers ici. Mais j'ai quand même beaucoup de production ici. Hein, j'ai toutes mes fermes qui sont par là. Faudra qu'on mette quelques bâtiments par les prochains bâtiments par ici. Genre le shérif et. Et l'armurerie. Faudra qu'on voit ça. Hein, du coup, va falloir qu'on pense à fabriquer un entrepôt, comme j'avais dit. C'est quand, dans quoi déjà l'entrepôt? C'est un peu plus grand qu'une maison. Ou à moins que quand je détruirai celle-là, je le construirai là, je pense. Je vais construire l'entrepôt à la place de la cabane là. Mais pas tout de suite. On va les laisser faire. Et du coup, le niveau des besoins. L'alcool, c'est pas encore bon. Mince. L'alcool, c'est pas encore bon. Donc le gars s'occupe de ça. Il faudrait éventuellement un gars qui s'occupe de faire du puits. Bah d'accord, le commerçant, lui, il arrive à esquiver le pont, quoi. Il m'agace. Les voleurs, va vraiment falloir qu'on s'en occupe, hein. Va vraiment falloir qu'on s'en occupe. Le saloon. Ah, regardez, il commence à être construit. C'est cool. Ça commence à avoir un peu plus de gueule. Ça commence à avoir un peu plus de gueule. Ok. Ici, la distillerie, ils n'ont toujours pas commencé à fabriquer. Ah, c'est bon, ils s'occupent. Ils s'en occupent. Et. Attends. Ah, il a mis l'alambic en route. Donc, à voir comment ça va continuer tout ça. Ah, c'est bon, ça coule. Et du coup, on va voir notre premier tonneau d'alcool. Nickel. Un résident de Soylaris peut changer de niveau. Donc du coup maintenant, je vais avoir quelques colons qui vont pouvoir changer de niveau. Voilà. Du coup maintenant, j'en ai accepté 3. Celle-là, je vais la démolir directement. De toute façon, ils auront du coup des nouvelles maisons. 1, 2. Et je peux encore en faire évoluer 1. 3. J'ai combien de maisons déjà? J'en ai une là. 2 là. Et j'en ai une autre qui est en train de se faire construire ici. Plus une là. Donc pour l'instant, je vais juste faire évoluer 3 colons. Et vous voyez, j'ai débloqué du coup des nouveaux bâtiments. Ça, c'est plutôt bien. Mine de fer. Là, c'est quoi qu'on a? Justement, c'est une mine de fer. Comment ça se place? Ah non! Je sais pas trop comment les placer. Ah, la porcherie doit me gêner. Je vais devoir dégager la porcherie et sûrement modifier la ville au niveau d'ici. 500 et là, il y a 597. Va falloir qu'on dégage la porcherie. Qu'on fabrique. Donc, la porcherie, faut qu'on la dégage.
Et on va fabriquer une ferme d'élevage à la place. Alimentation complémentaire. 70% de mauvais. En hiver, la qualité alimentaire complète. J'ai pas compris. Du coup, en hiver, la quantité d'alimentation complémentaire requise est égale à 100%. Faudra que je déforeste du coup cette zone-là. Je vais autoriser mon gars du coup à déforester là. Et la porcherie, on va la dégager. On va la faire revenir par au-dessus. On va la faire revenir par au-dessus. Et ben éventuellement on va faire un pont. Toc. Bah tiens, nickel. On va faire un pont là. Et on va faire une porcherie juste en dessous. Voilà. On va prioriser ici à 3. Et prioriser aussi ceci à 3. Comme ça, ils vont fabriquer ça en priorité. Et on va pouvoir dégager la mine. On verra bien si ça va le faire ou pas. Si du coup, on pourra miner ou pas. Bon. C'est comme ça, c'est la vie. C'est triste et injuste. Mais bon. 2, là ça va me coûter 3. Une tour de guet offre une bonne vue d'ensemble de la zone et améliore la portée de vos armes. Ok, donc ça c'est pas, ça va pas être pour tout de suite. Mine qui fournit du fer. Il va nous falloir 15. Ok, c'est bon. On va les laisser taffer. On va les laisser taffer du coup. Là c'est ok. Là je peux faire 3, c'est 3 colons. Et on va démolir cette maison. On va démolir la maison. De toute façon on va commencer à du coup à upgrader les gens. La maison simple là, elle va pas être prioritaire. On va pas tout augmenter, on va pas augmenter tout le monde d'un coup. Hein. Allez au boulot les gars. Au boulot, boulot, boulot. Les loups, c'est fait. Et je sais pas, j'ai pas trop compris à quoi ça correspondait ce pourcentage là. On va chasser de ce côté-là. Pour le moment. La porcherie, du coup, elle va être un peu éloignée du village. Donc, ça va être très bien. On va la mettre à priorité 2. Comme ça, ils vont terminer le pont d'abord. Parce qu'il faut qu'ils terminent le pont. Comme ça, les gens vous pourront traverser plus rapidement. Donc là, il ne nous manque plus qu'une planche. Allez, les gars! Bosser un peu plus que ça. Nickel. Toc, 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 toc. Il n'y a plus qu'à le terminer. La porcherie, elle est comment là? On a presque tout d'apporter. Il nous manque juste des planches. Niveau bois, on a encore largement ce qu'il faut. Ok, normalement, il y a tout le monde. Ah, le salaud, il a volé un cheval. Il
Il a volé un cheval, l'ordure. Façon, c'est fait maintenant. Là, du coup, on a un nouveau. Ah, putain! Il est en train d'essayer de cramer la baraque. Ah, je peux pas éteindre le feu? Non, sérieusement? Je peux pas éteindre le feu. Ah bah ça faudrait qu'il rajoute des. Non, dégoûté. Ça m'a fait perdre masse ressources. Ouais, du coup là on n'est plus en positif tant que ça. Hein. Va falloir qu'on augmente. Est-ce qu'on le tue pas? Est-ce qu'on le tue? C'est ça la question. Parce que j'aurais pas le temps de construire le shérif. Il me faut des planches et de la pierre et j'ai pas ça. On va commencer à s'étendre de l'autre côté du village. J'espère que je me suis pas trop. J'espère que je me suis pas trop avancé trop près pour fabriquer ceci. Donc là, c'est ok. On va pouvoir démolir. Ah non, sérieusement, ça tue tous les cochons du coup. On va attendre qu'ils ramassent tout. Ici, du coup, ils vont reproduire des cochons. C'est pas très grave parce qu'on a pas mal de bouffe d'avance. Là, au niveau du puits, on est plus qu'à 455. Donc ça va encore. Les ordures, quoi. Préparation pour la mine de fer. Ah, en fait, c'est comme ça qu'il faut la placer. D'accord. Ok, donc là j'ai trois bâtiments qui m'emmerdent. On va placer la mine de fer déjà par ici. Ça voudra dire qu'il faut qu'on dégage l'écurie, l'église. Il va nous falloir pas mal de planches de bois et du coup acheter pas mal de bois. Mais déjà on va construire des maisons pour pouvoir avoir plus de ressources. Hein. Pourquoi là je peux pas la construire? Ah, c'est bon. Là, on va mettre une nouvelle maison. Il va falloir mettre du coup rapidement des gars à la production de fer et d'armes. Du coup, on est repassé à 46 en loyer. Donc là, c'est bien. C'est ok. La maison qui est là, c'est bon. Ok. Faudrait qu'on voit pour acheter. Les planches coûtent pas cher. Le bois retombe un peu. Mais bon, pour le moment, va falloir attendre. Et modifier un peu la ville, du coup. Et modifier un peu la ville. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup s'arrêter là pour cet épisode. Je vais laisser le temps défiler un peu pour pouvoir construire 2-3 maisons. Et on se retrouvera du coup après. Des bisous. Et je vous remercie. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, c'était Soy.